Quand un homme de Dieu a la première fois a traduit les Écritures dans une langue commune à Londres, l'écriture était très peu accessible et les personnes ont commencé à se réunir en petits groupes et ça a amené une transformation. Pour que les chrétiens ont commencé à être redevables. Et à cause de l'écriture qui a dans l'Église, ça c'est devenu important. Et je prie qu'à nouveau, notre monde soit transformé par des chrétiens qui se rassemblent en petits groupes, commençant à prier les uns pour les autres, pour les affaires, le gouvernement, dans les médias. Nous avons besoin de voir une transformation. Alors prions ensemble avec cet objectif spécifique de croire Dieu qu'il appelle les chrétiens pour que chacun se sente responsable, qu'il soit connu à nouveau, que peu importe que vous soyez dans les affaires ou que vous puissiez être de ceux qui amènent Dieu. Dieu, nous te remercions pour ce que tu as fait dans le passé et le temps semble vraiment sombre maintenant, mais c'était aussi le cas dans le passé. Nous prions que tu amènes la lumière au travers de ces chrétiens qui se rencontrent et que ta bonté et ton amour puissent être apportés pour que le royaume de Dieu puisse amener la transformation. Amen.